Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière puisque je suis en formation. Je suis à presque 1 h 30 de chez moi, pas très loin. Mais du coup, je suis à l'hôtel. Voilà, et à l'hôtel, j'ai décidé de prendre un petit DP avec moi. J'ai même pris un point de croix, mais bon, là, je vais faire du DP avec moi. Donc, c'est un DP que j'ai eu en partenariat avec la boutique P. Samway. Et j'ai presque fini, en fait, il ne me reste plus grand-chose à faire dessus. Mais en fait, je voulais terminer ce DP avant de commencer mercredi notre petite toile que nous avons en commun avec 5 personnes, enfin avec 4, dans les 5 en fait, en tout à le faire. C'est la pyjama partie. La Randall, c'est une DAC. Voilà. Et donc, du coup, j'avais dit, ben, je vais faire déjà terminer cette petite toile avant de commencer la rondale. Alors, à savoir que je suis encore en formation demain, que je vais rentrer demain soir vers certainement 19 h à peu près, hein, parce qu'il faut que je fasse dans 6 messes. Mes messes, c'est encore. Enfin, c'est même pas messe, hein, c'est Joudreville, bien au-dessus de Metz. Après, je vais à Saint-Max, de Saint-Max que je retourne chez moi. Donc, j'en ai quand même pour une petite trotte. Je pense que je vais faire ce trajet en 2 h facilement. Facilement. On finit à 5 h du soir. À mon avis, je ne suis pas rentrée avant 19 h. Donc, je pense que demain, je rentre. Je m'affale sur le canapé et je ne fais rien de ma soirée. Et Claude n'est pas là. Donc, du coup, ça va être une soirée, voilà, relaxe. C'est pour ça que j'aurais voulu terminer cette toile avant. Je pense pas que je l'aurais terminée ce soir, ça m'étonnerait. Surtout, je suis hyper crevée là, à cette heure-ci, donc je pense que je vais même pas terminer ce carré. Aller me coucher et je reprendrai ça demain matin avant de partir en formation. Parce que me connaissant, je vais me lever encore à point d'heure. Ça c'est sûr. Donc je vais faire un petit peu de DP. Oups. Un petit peu de DP. Donc voilà. Je voulais également vous parler de petits groupes que nous avons formés avec Nano et Isa. Les fanas du DP. Donc sur ce petit groupe, vous pouvez en fait retrouver tous nos événements que nous faisons, tous nos défis, nos challenges et tout ça. Donc là pour l'instant nous avons 3. Nous avons le défi automne Halloween, où il suffit d'avoir une toile DAC ou Oraloa ou toile AliExpress sur ce thème-là. Donc, soit un paysage d'automne, soit une illustration d'Halloween, enfin, vraiment ce que vous voulez. Voilà, ça c'est le premier événement qui commence le 23 septembre jusqu'au 30 novembre. Nous avons donc le deuxième événement que nous avons mis en place, c'est la toile de Grandal, là, que je viens de vous parler, de chez DAC, la pyjama partie. Si vous voulez la faire avec nous, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une toile DAC, une Randall, tout simplement, et on la fait en même temps, et ça commence à partir de mercredi ici. Voilà, et le troisième événement que nous avons mis dessus, il s'agit de mon challenge action. Action de Noël, où là il suffit de faire une toile action sur le thème de Noël. Sachant qu'il y a 4 toiles de Noël qui sont sorties chez Action, plus les toiles de Noël de l'année dernière et puis l'année d'avant. Ça fait quand même pas mal de petites toiles déjà qu'on peut trouver. Donc, si vous voulez participer, je vais vous mettre le lien de notre groupe. Voilà, tout simplement. Voilà, j'essaie de faire un petit damier, pas mal. Voilà, du coup, moi, je vais vous reprendre demain matin. Donc, pour vous, ça va être dans 2 secondes. Voilà. Et puis, comme ça, je vous montrerai où j'en suis sur cette petite toile que j'aimerais bien terminer, mais à mon avis, elle ne le sera pas. Allez, à tout de suite. Alors, nous sommes mardi matin. Je suis encore à l'hôtel. J'ai pratiquement fini ma toile puisqu'il me reste plus que cette petite case-là à faire. J'ai très mal dormi.
J'ai très mal dormi à l'hôtel. De toute façon, déjà chez moi, je dors pas très bien quand je suis seule. Mais alors là, à l'hôtel, je crois que c'est encore pire. J'ai hyper mal au crâne. Voilà, donc super la formation aujourd'hui, ça va être terrible. Mais bon, on va faire avec, hein. On va faire avec, on va faire avec. J'aimerais bien terminer cette petite case avant d'aller au petit déjeuner. Alors, il est 6h du matin. Ouais. Je suis déjà prête. J'ai déjà pris ma douche, mon chant, tout. Je suis déjà prête. C'est incroyable. Alors que j'aurais pu rester au lit, vu que le petit déjeuner est à 7h, 7h30, on s'est donné rendez-vous à 7h30. J'aurais pu rester en fait couché au moins peut-être jusqu'à 7h moins le quart. Et puis voilà, et ben non. Je suis déjà réveillée, j'ai déjà pris ma douche et je fais du DP. Ouais, non, mais c'est un truc de ma boule, quoi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable d'être comme ça. Mais quand on dort mal, on dort mal. En plus, il y a de la circulation. Ouais, c'est pas le top du top du top. Donc voilà. Je vais essayer. Alors, je pense pas que je vais faire la case là complètement avec vous. Je vous reprendrai peut-être après pour vous montrer le rendu de ce petit DP qui est plutôt sympa. Alors j'en ai profité aussi pour regarder un peu le retard de mes vidéos YouTube de mes copines et pour regarder le live de Nano qu'elle avait fait dimanche alors que je travaillais. Et bah Nano, bah c'est bien, t'as pas dit de bêtises, c'est cool. Non voilà, donc je reviens encore un peu donc là-dessus. Le groupe, hein, le groupe les Fatas du DP qui nous permet, enfin qui va vous permettre de mettre en fait toutes vos créations de nos événements que nous avons lancés. Donc il y en a trois. Voilà, donc ça c'est vachement bien. Donc je mettrai le lien, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je mettrai le lien en dessous. Et puis surtout, n'oubliez pas, le 23, nous commençons notre petit défi, notre s'appelle Autumn Halloween. Voilà, donc le 23 septembre. Et moi, demain, mercredi, je commence la pajama party. Et la pajama time de Randall, Madak, avec bon, les 5. Voilà. Je la commence demain. Et puis, ben, moi, par contre, je vous ferai une vidéo dès que j'aurai reçu mes toiles action. Ma petite Marie, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir, faut que je regarde, peut-être qu'elles seront là aujourd'hui, je sais pas. Dès que je les ai, je vous fais la vidéo pour vous expliquer un peu comment va se passer ce petit challenge de Noël Action. Voilà. Alors tout est déjà prêt sur le groupe, hein. Donc n'hésitez pas à y aller, tout est déjà prêt. Voilà. Écoutez, moi je termine tranquillou bilou ma petite case. Espérons que j'ai eu le temps de la terminer avant que je parte au petit-déj. Et puis je vous montrerai ça. Et je vous ferai donc une petite revue en même temps de cette toile qui est plutôt pas mal pour une 30 par 30 cm. Elle rentre plutôt bien. J'avais un petit peu peur, mais franchement, finalement, elle rentre très très bien. Allez, je vous retrouve juste après. J'ai pratiquement terminé, il me reste plus grand chose à mettre dessus. Ça c'est génial parce que du coup, eh ben, avant mon petit déj, je pourrai vous montrer la revue, hein, de cette toile. Ça c'est vraiment cool, c'est très très bien, je suis trop contente. Et une toile de plus terminée. Alors effectivement, ce ne sont pas des grosses toiles, hein, parce que une grosse toile, ben, elles sont derrière ma porte dans ma chambre, dans mon salon. Et en plus de ça, vu que je vais en commencer deux là d'un coup, je vais être à 11 toiles ou 12 toiles de commencer. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'une seule vie. Alors, je vois pas trop bien les couleurs parce qu'en fait, non, c'est du E et du R. Ok. Je viens de regarder le live donc qui avait été que Nano elle avait. Elle a fait, là, du coup, hein, je viens de le terminer. J'avais commencé tout à l'heure et je viens de le terminer. Ouais, vous avez été quand même pas mal nombreux à regarder ce live, c'est à participer, c'est vachement bien. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on a pas mal de participation, hein, pour nos petits challenges. Ça, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que c'est qui me reste comme couleur? Parce que je vois pas bien, en fait. Je vois pas trop bien. Ça, c'est du R, du R. Il me reste du R, du V et du S. D'accord. Le R, c'est quoi? C'est 4. Je ne sais même pas si vous voyez.
correctement. Alors je l'avais commencé avec la règle, celui-là. J'avais commencé avec la règle et puis ben, je termine sans règle. C'est pas grave. Mais non, il est pas trop mal, hein, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Alors R et là je crois. Bon, qu'est-ce que c'est qui fait là, celui-là? J'en ai un qui s'est sauvé. Ouais, d'accord. Et j'ai dit du V et du S et il sera terminé. Alors mes trois derniers. Donc le V c'est du 15. Hop. Du coup ça me fait une petite mallette avec les petits contenants disponibles. Ça c'est bien parce que vu que... Oh, je vous expliquerai lorsque je recevrai ma nouvelle toile pour le défi automne Halloween ce qui s'est passé. Mais du coup ben, j'aurai une petite mallette avec pouvoir mettre mes petits diamants. Donc du 16, voilà. Hop, une seule. Et voilà, elle est terminée. On n'en parle plus. Allez, je vous montre ça. Je vous montre à quoi elle ressemble. Je retire un peu mon petit cirque. Hop, hop, hop. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. Je retire ça. Du coup, je n'en ai plus besoin. Je vais bouger. Je suis désolée. Alors, voilà. Là, voici. Un verre. Hop, je monte un petit peu. Et là aussi, je vais essayer de fermer. Alors au niveau de la luminosité dans la chambre, c'est pas top, hein, mais bon là il est quand même que 6h30 je crois du matin, un truc dans le genre. Donc voilà, mais bon, on voit quand même, je retourne la bougie. Voilà. La montre, elle rend quand même plutôt pas mal. Elle brille bien. Je sais pas si vous voyez, elle est plutôt jolie. Elle avait 18 couleurs. Franchement, on est bien. On voit bien la libellule. On voit bien la petite fleur. Elle est vraiment sympatoche. Voilà. Alors, tout ce qui me reste en diamant. Alors, il me reste... Je vous montre. 18 couleurs. Hein. Donc, ça, c'était du... Ça, c'est celui-ci, en fait. Voilà. Il m'en reste quand même... Un petit peu. Donc, ça va, hein. Alors, je ne me rappelle plus du tarif en fait de cette toile de Pensumway. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien de la toile. Et comme ça, vous pourrez la prendre. Sachant qu'il y a comment dire, une petite collection là-dessus. Et qu'il y en a quelques-unes en fait différentes, 2-3 différentes en fait. Donc voilà. Donc voilà pour cette toile de Pensumway. Je vous en remercie beaucoup hein, pour ce partenariat. D'ailleurs j'ai un nouveau partenariat avec eux, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais je crois que j'avais pris du point de croix. Donc vous verrez ça sur mon autre chaîne, sur Jackie Crostich. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis, oh, j'ai fait bouger un diamant là ici. J'ai fait bouger. Non, c'est bon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.